L'abeille pique la main qui veut s'emparer de son miel. Puis la piqûre devient l'excuse et la ruchée détruite près d'elle. Des oiseaux sifflant tombant du ciel, ils sèment la mort et non pas d'elle. Les enfants renivent des larmes de fiel, ils saignent encore mais non pas d'aide. David est devenu Goliath, croix gamme et plein les souvenirs. Le palestinien n'est pas rien. Shabbat shalom, laisse les sourds venir. Œil pour œil, 100%, le talion est magique en potion, tragique en portion. Une kippa vaudrait-elle sans kéfier au marché de la disproportion? Masada est trop loin et c'est les autres qu'on pousse au suicide. On suit d'ici, on suit d'ici, mais c'est jamais la raison qui décide. Mais qui dessine les cartes? Abraham fait leur dessine, désigne les hommes de paix que l'humanité désire. Bosch et vice, ici c'est Auschwitz, qui voudrait transformer Gaza en nouveau Auschwitz. Israël et le Hamas acceptent d'observer un cessez-le-feu humanitaire de 12 heures. Il devait commencer ce samedi matin à 6h heure de Paris, soit 7h heure locale, selon un responsable américain accompagnant au Caire le secrétaire d'État John Kerry. Soyons tous unis pour la paix entre Israël et la Palestine, Palestine. Je ferme les yeux, je vois des chars qui tirent des roses. Vers les cieux des âmes s'échappent en guise d'héros. Des rires et des danses, des soldats en treillis élégants. Leur seule arme est l'amour et c'est le charme qui rôde. Je ferme les yeux, je vois les ennemis se faire la bise et faire des vœux. La haine a mis les voiles et flirte avec le feu. L'opprimé passe l'éponge et la colombe se place à la place des bombes. Je ne vais pas vous jeter la pierre, l'intifada est terminée. Lamentation face à un mur, colossalement déterminé. Tunnel macabre en terminé. Le Hamas terrorisant, terre hostile. Peuple en otage en terre promise. Roquette versatile, ainsi soit-il. Stop, caillasse contre fusil. Stop, calache contre Uzi. Stop, cette bande de Nazareth. Qu'ils suivent plutôt l'exemple, notre pote de Nazareth. Espoir de salam et shalom. Car ici la paix des armes et des âmes fait du slalom. J'ai entendu qu'il y avait une trêve. J'espère qu'elle sera de longue durée, car ils en avaient déjà annoncé une avant. Nous avions regagné notre maison. 5 minutes après, les bombardements ont recommencé. Si Dieu le veut, cette fois, ils vont tenir parole. Soyons tous unis pour la paix entre Israël et la Palestine, Palestine. J'ouvre les yeux, mais les larmes et les armes font le décor. Quand la haine décolle, des corps incontables sous les décombres. Qui voulez-vous qu'on condamne? À tous les coups, on compare tous les deux camps. Mauvaise procédure, tous on est coupables. Puisqu'on n'écoute pas la voix divine, le mal divise, pousse dans les coups bas. J'ai l'impression que sur la terre l'enfer trône et les frères sont sur la tête. À quand la fin des mots, Yahvé? Est-ce la veille de la fin du monde? Aucun fondement pour le mépris, alors je prie quand douleur et tristesse se glissent au fond de moi. Trop de balles font des morts. Par la magie de l'art, je laisse des mots dans l'espoir qu'ils vont nettoyer l'hémorragie de l'âme. Je suis écœuré, je lâche des vers. Il faut creuser les méninges et enterrer la hache de guerre. Une réunion internationale sur la situation à Gaza se tient aujourd'hui à Paris. Elle se déroulera en présence des ministres des Affaires étrangères des principaux pays impliqués. Le cabinet de sécurité israélien de Benjamin Netanyahou avait lui rejeté auparavant à l'unanimité la proposition de trêve durable en l'état de John Kerry, car jugée trop favorable au Hamas. Et en attendant cet hypothétique cessez-le-feu, les combats se sont poursuivis au nord et au sud de Gaza.